Exactement. Alors, bon, il y a pour l'essentiel, il y a beaucoup de vêtements pour les adultes, il y a aussi une bonne quantité de vêtements pour les enfants. Oui. Il y a quelques cartons alimentaires et des médicaments. Voilà. Ah, mais c'est bien. La roue, elle tourne, la roue, elle tourne. Exactement. Travaillez à l'école. Travaillez bien, ouais. Pour ça, vous allez venir en France, Inch'Allah. Ah, ben voilà. C'est bien, ça. Bon courage à vous. Moi, j'ai du mal, les gars, ça vous passe. C'est cher. Il faut dire aux darons africains, comme ça, ils envoient de l'argent là-haut. Ouais, bah oui. Ça, c'est très bien. Déjà, ils parlent, mais ils donnent jamais d'argent. Regardez la forme. Vous envoyez un peu d'argent à l'Afrique, hein. Oh, on a fiège. Now film me you and your son. Très 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 content. Je ne sais pas comment l'exprimer. Mais la seule chose que je vais vraiment vous dire, merci. Merci mes soeurs, parce que l'ambiance est tellement satisfaisante que je n'ose plus exprimer mes pensées. Mais maintenant, je tiens seulement à rendre grâce au Seigneur qui vous a protégé durant tout votre voyage de la France jusqu'ici. Et je vous remercie de l'initiative que vous avez eue. Parce que cela n'est pas dans le cœur de tout Français. Mais c'est à vous que le Seigneur a mis ses désirs, cette compassion-là, de vivre un peu cette misère de la population congolaise. Sur ce, aujourd'hui, je vous dis qu'un petit merci. Que le Seigneur me garde, et pour cela, je vous souhaite un très bon séjour au milieu de nous. Chez nous, soyez chez vous. Bienvenue. Les crèmes, hein, vous puissiez manger. Voilà, on va vous en donner à chacun aujourd'hui. On me dit quoi ? Merci. Voilà. Voilà. Merci. Merci. Tu as tout ton gagné aussi. Merci. C'est bon ça. Voilà. 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 Nous vous avons donné. Oui. Donc c'est pour la population. Oui. Les patients que vous avez, oui, qui n'ont pas de possibilités, qui n'ont rien. Oui. Donc ça serait vraiment gentil de votre part de pouvoir les soigner gratuitement. Oui. Voilà. Ça c'est notre objectif. Oui. C'est un début. Il y a un début à tout. Oui. Nous ne voulons pas. Les gens qui n'ont pas d'argent. Oui. Je vais danser. Peut-être d'abord ça. Non, c'est à moi d'abord. Ah, c'est Vico. Ah, c'est Vico. Ah,
C'est là les dames. Oh là, que je suis un coup malade. La mère tout d'abord parle. Ma pauvre enfant, il faut te mettre au lit. C'est la tante de ma séjourne promenade. Tes frères va sortir avec un camarade. Commandant maman, c'est jeudi, maman, je me sens mieux, je suis plus malade, ah, si bon, tu m'avais donc menti, eh bien, moi je m'attends à ton premier système, au lit, pas malade, au lit, à l'examen, et la maman les fut couchée en plein mois. Qui nous a permis d'être en contact avec nos amis français, jeunes Français qui sont venus nous visiter, tout en nous apportant leur soutien matériel, leur aide. Je ne peux qu'adresser un mot de remerciement, comme je l'ai dit, parce que j'ai été tellement émue à voir des jeunes, très enthousiastes, avec grand cœur, qui voulaient compatir à la misère de la population congolaise, surtout aux jeunes. J'étais très édifiée de votre visite, M. Willy, Patricia, Cyril, Jérôme et Frédéric. Soyez donc rassurés que ce que vous avez fait fera plaisir à tout un tas de gens démunis dans notre contrée, surtout à Bouma que vous avez visité. Je crois que vous en gardez des souvenirs énormes. Nous sommes des religieuses, vous avez vu, qui se dévouent dans l'enseignement, dans les soins des malades, dans les soins des enfants à orphelins, dans des centres pour handicapés et à tout indigent qui se présente devant notre peuple. Ce que vous nous avez apporté sera bien sûr réparti selon les besoins de tous ces gens que j'ai énumérés. Vous avez pu visiter des écoles que nous avons des livres. Là, je ne peux pas oublier, bien sûr, la sœur Marie-Claire, qui a quand même beaucoup contribué en faisant des publicités dans les différentes écoles pour qu'on nous apporte des livres, des vêtements pour épauler les enfants d'ici. Toutes ces écoles, bien sûr, vous restent très reconnaissantes. Voilà, je sais que ce n'est pas facile là-bas aussi, mais vous êtes donné cette peine-là. Vous avez voulu souffrir pendant 2 semaines avec nous. C'est ce qui nous a le plus touchés.